Olivia était d'Abropage à la VAT sur la chaîne Wilm Astro Reaction. Bonjour à vous tous et bonjour à Zigeoto. Ça va les gars, la forme? Ouais, ça va. Ok, c'est cool. Alors aujourd'hui, nous allons nous diriger vers une cover d'un groupe qu'on a fait il y a très peu de temps qui s'appelle le groupe Kino. Et nous allons réagir à une interprétation qu'une chanteuse a faite il y a à peu près 2 jours, je crois, un truc comme ça. Elle s'appelle Aliza Spronova. Et hop, une petite photo d'Aliza ici. Vous voyez, toujours aussi magnifique. Hein? Je ne peux plus rien dire. Hein. C'est pas possible. Bref, donc si vous ne la connaissez pas plus, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist des titres d'Aliza sur la chaîne. Et si jamais vous voulez aller voir plus loin, ce qui est le cas, allez-y, descendez dans la description. Le premier lien, c'est sa chaîne YouTube. Et le deuxième lien, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Et la vidéo sur laquelle je vais réagir, c'est un, si je ne me trompe pas, un ancien titre du groupe Kino qui s'appelle Perenniem. Donc j'espère que vous allez apprécier. Si jamais vous appréciez, n'hésitez pas, le pouce et le commentaire, ça aide au référencement de la chaîne. N'hésitez pas, franchement, ça aide énormément. Si jamais vous aimez et le contenu de la chaîne et moi-même, pas les deux en même temps, vous pouvez m'aimer l'un ou l'autre. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Si jamais, comme je le dis à chaque fois, vous voulez aller plus loin dans la autre que la gratuité, tous les liens sont dans la description, ainsi que le Telegram qui peut se télécharger sur tablette, sur PC, sur téléphone portable pour discuter avec tout le monde. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. On va y aller tranquille. J'espère que vous allez apprécier. Je répète, encore une fois, Zigeoto. Oui, je me fais vieux, je sais. On est parti pour 3 minutes 55. Donc, prêt? Vous êtes bien installé? Les cacahuètes, les chips? C'est pas un film, mais bon. Vous n'aurez peut-être pas le temps de tout finir. Partagez avec tout le monde. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vous aime vraiment très fort pour mon ressenti de la chanson. Allez, à tout de suite. Тепла, зелень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста. И больше нет ничего. Все находится в нас. Мы ждем перемен.
Alors là, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et Alisa, franchement, je vais laisser s'exprimer Zig et Otto d'abord. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allô? Ben oui, attendez, je vais dire le premier. Effectivement, c'est le grand écart, là. Franchement, j'ai grandement apprécié ce qu'elle nous a fait. Parce que d'habitude, Alisa se cantonnait, entre guillemets, dans des chansons très... plus entre guillemets, folkloriques, on va dire entre guillemets, attention. Plus ancrée Russie. Enfin, celle-là aussi, elle l'est sûrement. Mais vraiment plus tranquille, plus... folk, on va dire plus folk, et là, elle se dirige sur un truc complètement rock, c'est surprenant, après je dis pas que, mais là franchement, elle m'a énormément surpris, et ça m'a énormément plu, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire plus sur cette chanson, mais là, j'ai été, là franchement, je peux pas dire plus, je suis un peu comme eux, sur le derrière, parce que c'est comme si, toute proportion gardée à ce que je vais dire, c'est comme si Céline Dion se mettait à chanter du métal. C'est surprenant, mais là c'est un peu ça. Je trouve pas mes mots parce que j'ai été grandement surpris par cette... cette prestation que j'ai trouvée très bonne, franchement, qu'elle continue comme ça, franchement, là, je peux pas dire plus. J'ai du mal à trouver mes mots tellement ça m'a surpris. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Puis on se retrouve demain, mais alors là... et qu'on continue à me surprendre comme ça. Franchement, je vous dis, c'est comme si Vanni Babiola se mettait à chanter du métal aussi. Je ne comprends plus. Mais c'est bien. Justement, ça permet de ne pas rester dans ses pantoufles, on va dire. Là j'ai pris une claque. Une claque de la part de Alisa et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Voilà. Allez, on se retrouve demain. Je vous aime vraiment très fort. Allez, à demain.